Voilà, bienvenue à tous et à toutes chez Boulard Musique. On est heureux de vous accueillir dans cette vidéo où on vous fait un peu l'état des lieux de tout ce qui est xylophone, métallophone, glockenspiel. On vous a fait des vidéos, on vous a fait des exemples, comment ça sonne, comment ça se joue. Alors profitez bien et à bientôt. Ceci n'est pas un xylophone, mais un marimba. Et un marimba va descendre beaucoup plus bas dans les graves, avoir un clavier qui est beaucoup plus large et qui va se jouer en général avec quatre baguettes. Donc c'est une sorte de xylophone, mais un peu, voilà, beaucoup plus étoffé dans ce qu'on peut jouer comme pièce. Alors ceci est vraiment un xylophone, on appelle souvent beaucoup de choses différentes un xylophone, des petits, des grands, des lames métal, des lames bois. Alors un xylophone c'est vraiment lame bois, en général 3 octaves et demi, comme un piano, touche blanche, touche noire, et comme ça on peut faire n'importe quelle pièce. Donc dans le monde des xylophones, on a aussi une gamme qui s'appelle Orff, qui est utilisée principalement dans les écoles, qui fait une octave et demie, deux octaves, et qui est justement très simple à utiliser pour faire des musiques pour les élèves. Et donc c'est ce genre d'instrument-là. Alors bien souvent, on me demande un xylophone quand on veut ce genre de produit-là. Et ceci n'est pas un xylophone, ça s'appelle soit un carillon, soit un glockenspiel. C'est un petit instrument avec des lames en métal dans les sons vraiment très aigus, qui est très beau, hein, mais qui est un peu différent d'un xylophone qui a des lames en bois. Tous les différents instruments clavier, on a le xylophone qui a les lames bois et on a le métallophone qui a les lames en métal, d'où son nom, qui a, voilà, une résonance beaucoup plus longue, un son métallique, donc qui offre vraiment d'autres sonorités qu'un xylophone. Alors voilà, j'espère que vous avez bien profité de toutes ces explications, que vous avez pu vous rendre compte des différences. Et puis si jamais, bah, passez un coup nous voir au magasin, on sera heureux de vous accueillir. À bientôt. Ciao.